Mustela. Mustela. Coppa. Coppa. Pancetta, va bene? Va bene, così. Perfetto. Ce soir, Alessandra donne un cours, non pas d'italien. Ici, entre la Lombardie et le Trentino-Alto Adige. Pas non plus de géographie, mais de charcuterie italienne. Souvent, on achète une charcuterie, on ne connaît pas toute l'aventure de cette charcuterie. Je suppose qu'on va découvrir des choses un peu moins connues. C'est l'intérêt de ces ateliers dégustation. En matière de charcuterie, l'Italie n'est pas en reste. Les élèves vont déguster pas moins de 25 produits différents. Un jambon qui est beaucoup plus sec à la texture, c'est le culatello di zibello. Décidément, il faut aller... Et apprendre en mangeant, apparemment, ils n'ont rien contre. Et ça ? Vous voyez, j'ai bien dégusté. La charcuterie italienne ferait de l'ombre à notre terroir. La préférée des Français, le jambon de Parme, avec plus de 400 000 pièces importées par an. Mais cette charcuterie, ce sont 600 variétés régionales, dont une centaine sont protégées par des labels. Depuis quelques années, la bressaola, le speck, la pancetta se font une place dans les rayons des supermarchés et sur les cartes des restaurants. Comment reconnaître les bonnes charcuteries ? Quelles sont les différences avec leurs cousines françaises ? Découvrez l'art de la cochonaille à l'italienne. Dans le cours d'Alessandra, une charcuterie fait l'unanimité. C'est bon ? La bressaola, une fine tranche de viande séchée et épicée qui n'existe qu'en Italie. Il faut toujours que ça soit marqué bressaola della Valtellina, IGP. Ça veut dire indication géographique protégée. Ça vous met à l'abri de contrefaçon, au moins. Il n'en fallait pas plus pour nous donner envie de découvrir cette charcuterie unique dans le seul endroit où on la fabrique, la Valtelline, située au nord de l'Italie. Angelo est chef de production pour l'un des plus grands fabricants de bressaola. La demande étant de plus en plus forte, difficile de garder les méthodes de fabrication d'antan. Ici, nous reproduisons un savoir-faire artisanal. Mais vu la quantité fabriquée, certaines opérations doivent se faire mécaniquement. Première étape, la sélection de la viande. Si la grande majorité des charcuteries est à base de porc, la bressaola se fait avec du bœuf. Il s'agit d'une noix entière, l'une des pièces les plus tendres de l'animal, située dans la partie supérieure de la cuisse. Un animal nous permet de faire seulement deux pièces de bressaola. Il nous faut donc beaucoup d'animaux pour répondre à la demande. Après l'épluchage, on ajoute à la viande un mélange de poivre, d'ail, de genévrier, de cannelle, de muscade, de laurier et des conservateurs. Avant, pour que les aromates pénètrent la viande, on la massait. Aujourd'hui, elle passe dans cette drôle de machine qui va malaxer le tout. Elle reposera pendant 15 jours. Ensuite... Ici, c'est la phase d'embossage. Chaque pièce de viande va être pressée par la machine et mise dans un boyau naturel. Puis un filet va envelopper la bressaola pour la compresser. La bressaola va maintenant être séchée. Pour ça, elle est gardée dans une pièce pendant 24 heures à 24 degrés. C'est à ce moment-là qu'elle va perdre sa plus grande quantité d'eau. Ceci est la seconde phase du séchage qui dure environ une semaine. Comme on peut le voir, l'aspect de la bressaola a déjà changé. On peut voir la formation d'une moisissure qui se développe uniquement ici, dans la Valtelline. Et trois semaines plus tard... Ici, l'affinage est terminé. On le voit à la consistance du produit, mais aussi à la moisissure. Avec le temps, elle s'épaissit, elle change de couleur et devient verte. À la fin, la moisissure est enlevée ainsi que le filet. La bressaola est prête à être dégustée. Toutes ces étapes en font une charcuterie aromatisée, très protéinée et pauvre en matière grasse. Seulement 7%, alors qu'un saucisson en contient en moyenne 35%. Dans l'épicerie que tient Alessandra à Paris, la bressaola tient une place de choix. Comme ça, ça ira ? Son goût est sublimé par le fameux tranché italien. En Italie, on coupe la charcuterie très très fine. Elle est mieux présentée et le goût elle est beaucoup plus délicat et raffiné. Un tranché si fameux qu'il est copié par les industriels français. Merci beaucoup. Merci madame. Voilà, un piège. Donc ce sont toutes les charcuteries dans lesquelles on utilise le terme tranché ou coupé
à l'italienne. Ce n'est pas un produit italien, ce n'est pas tranché en Italie et ce n'est pas tranché à l'italienne. C'est un petit peu pour attirer l'œil du consommateur et aller tout droit sur ce paquet plutôt que sur un autre. Pour Alessandra, la charcuterie italienne reste incomparable. Entre la charcuterie française et la charcuterie italienne, il y a une différence surtout de salage et d'affinage. En Italie, on laisse affiner très longtemps la charcuterie. Et donc, pour bien choisir sa charcuterie... Ce qui est très important, c'est de regarder le produit, de lire les étiquettes, de regarder la provenance et de préférer un IGP. Des produits de qualité, c'est ce qu'utilise Yvan Skenati. À Paris, dans son restaurant, ce chef italien cuisine des jambons, des lards et autres cochonailles de son pays. Le premier plat qu'il va nous faire découvrir a pour ingrédients principaux la mortadelle et le jambon cuit. C'est une recette typiquement chez moi. C'est ma recette préférée de la maman. Pour les rotolo di pasta de la mamma d'Yvan, commencez par préparer une pâte à pâte. Pour cela, mélangez la farine et les œufs à la main. Rajoutez un peu d'huile de coude. Ouh, c'est chaud, hein. Farinez la boule et passez-la dans un laminoir à pâte jusqu'à obtention d'une longue, très longue feuille de pâte. Des pâtes. Et voilà. Et la sfoglia, elle est prête. Coupez votre pâte en trois parts égales, disposez-les sur un torchon et commencez à y déposer des tranches de mortadelle de Bologne. Les tapas, après, on met du prosciutto cotto, jambon cuit, qui vient de la région de Parme. C'est un peu la région mythique de la charcuterie et de la Ferrari. Faites une omelette fine, généreusement parfumée au parmesan. Laissez-la dorer quelques minutes et déposez-la sur la charcuterie. Pour un peu de vert... Les pousses d'épinards. Faites-les revenir dans du beurre jusqu'à ce qu'ils réduisent et rajoutez-les à votre préparation. Maintenant, il faut la rouler. On ferme un petit peu. Il faut qu'on fasse un saucisson. Après, on ferme comme ça. Enroulez votre saucisson dans le torchon. Ficelez-le, mettez votre boudin à cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, faites un beurre noisette aromatisé à l'ail et à la sauge. Surtout, n'hésitez pas sur la quantité. Ça sent bon. Ah. Ça aussi, c'est un peu typique de chez moi, l'ail et la sauge, du beurre. Après le beurre typique, sortez votre rotolo de l'eau et découpez-le en tranches. On va mettre maintenant du parmesan, parmigiano reggiano. Et maintenant, le beurre noisette italien. Il ne reste plus qu'à déguster. Que va dire la mamma d'Yvan? Ma mère va être fière, j'espère. Bon appétit. Avec Yvan, la charcuterie n'a pas de limite. Pour sa deuxième recette, le chef ose un mélange terre et mer avec son escalope de lotte au jambon de Parme. Alors, on prend de la lotte. On va faire des escalopes de lotte. On va faire un filet. Oh, sinon, vous pouvez l'acheter déjà en filet. Hein. Aplatissez délicatement votre filet. C'est le premier et après, c'est la sauge. Ajoutez une feuille de sauge, une tranche de jambon de Parme. Ça marche très, très bien. Avec les crustacés, avec les Saint-Jacques, avec de la lotte. On va les cuire d'abord avec le jambon qui grille. On va mettre juste du sel d'un côté opposé du jambon. La recette est terminée. Une fois votre poisson doré et le jambon de Parme bien grillé, c'est le mariage parfait.